Le 19h de la place du village, nous sommes le lundi 25 mars. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre émission en direct sur Facebook et sur YouTube. Toute l'équipe de la place du village. On va tout de suite retrouver le générique et on se retrouve juste après. Vous êtes les bienvenus. Bonsoir à tous, bienvenue en direct pour une nouvelle semaine du 19h de la place du village. Très heureux de vous retrouver comme tous les soirs de la semaine en direct sur Facebook et sur YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver pour pouvoir partager avec vous tous les reportages réalisés par l'ensemble de l'équipe de la place du village. Il y a encore de très beaux reportages à retrouver durant toute cette semaine. De la musique, de l'information locale également. Une émission 100% locale pendant 45 minutes également. Vous pouvez donc nous suivre aussi sur votre écran de télévision avec l'application YouTube disponible chez tous les fournisseurs d'accès à Internet. N'hésitez pas donc d'aller donc tranquillement sur cette chaîne YouTube pour pouvoir nous regarder depuis votre canapé et en haute définition, soit en direct, soit en replay. Nouvelle semaine du 19h de la place du village. Il y a toujours un beau menu. On va justement découvrir ensemble donc le menu de ce soir dans le 19h de la place du village. On va donc vous proposer toujours des reportages à travers nos pays de Savoie réalisés par l'ensemble de l'équipe. On va donc regarder le sommaire de cette émission de ce lundi 25 mars. Vous êtes les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre. Ce soir, dans le 19h de la place du village, des reportages, des belles rencontres à découvrir donc dans quelques instants avec justement qui apparaît à côté de moi. Ça y est, c'est parti. Ce soir, on aura Laurent Gérard à découvrir dans quelques instants du côté donc de la Savoie. Lance le bourg en compagnie de Philippe de Paris, c'était durant ce week-end avec les images de Alain Molo qu'on retrouvera dans quelques instants pour ce reportage avec l'humoriste Laurent Gérard. Vous allez avoir un beau reportage bien sympathique à retrouver dans quelques instants. On aura notamment notre nouveau correspondant de la place du village avec Marc Garcia, souvenir des Jeux Olympiques de Chamonix de 1924. Une belle rencontre avec Martine Chanu qu'on découvrira tout à l'heure dans ce reportage de Marc Garcia. On aura également l'information locale dans les pays de Savoie, toute l'actualité durant ces dernières 24 heures, durant ce week-end au cœur des pays de Savoie. On aura également durant donc cette émission le savoir-faire ce soir dans la place du village, justement la passion pour le travail du métal. On ira du côté de Matour en Saône-et-Loire avec Jean-Noël de Paris pour ce reportage. Dans notre rubrique sur un air d'accordéon, au son de l'accordéon, une série de marches interprétées par Gilles Sabi. On ira du côté de la Lozère avec les images de Lily Rose pour ce moment de musique. On aura les prévisions de la météo pour la journée de demain, mardi 26 mars. Le temps restera calme justement sur l'ensemble des pays de Savoie. On fera un point complet sur les prévisions de la météo tout à l'heure en fin d'émission. Donc un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Et puis bien entendu, vous pouvez donc participer également à cette émission en commentant soit sur Facebook, soit YouTube, tous les reportages et les sujets qu'on vous propose chaque soir dans cette émission.
Voilà pour donc le sommaire de cette émission de ce lundi 25 mars. Et on va justement tout de suite commencer cette émission par le premier reportage. Ce soir, dans 19h, de la place du village, on va justement mettre à l'honneur une figure justement de la télévision et surtout un humoriste qu'on connaît très bien. C'est notre ami Laurent Gérard. Et oui, il était justement, il est très souvent même du côté de nos pays de Savoie. Et bien justement, Phil de Paris et Alain Molon ont eu la chance de l'interviewer. Justement, c'était durant ce week-end, c'était pendant le festival donc du côté de Lens-le-Bourg. On va justement, de Valsély également, on va justement retrouver ce reportage avec Laurent Gérard, Phil de Paris et Alain Molon pour ce reportage. Regardez. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Putain de marque, merci! C'est pas passé! On a parlé de toi! Salut Rololo! Marc Garcia! Laurent Gérard! Le gars qui a des genoux! Vous savez, hein? Lolo! Il a pas déclenché! T'as vu Dims? Oui, bah oui, Dims! On y va! Mais c'est pas vrai! Bien sûr, surprise, Laurent Gérard, Marc Garcia qui travaille pour la place du village. Laurent Gérard, comment tu connais Marc Garcia? Je le connais parce qu'il est une station, il n'y a plus de mail. Un peu dans la yacht. Parce que si on a les retours d'Est, ils ont des retours de bâton, mais bon, c'est ça. Et on s'est connus, voilà. Et puis on ne s'est pas trop quitté, on a même fait du ski avant le 14 juillet. À l'Isran, et il a reconnu mon style. Hein, c'est vrai. Comment il est sur les pistes? Alors, Lolo, justement, en face, moi, Lolo, c'est le skieur. Lolo, il avait un photo chez lui, quand il était gamin, skieur. Lolo est passionné de compète de ski. Alors, il aurait voulu être champion de ski, mais il n'en était pas loin. Et après, il a bifurqué, il est devenu une star qu'on connaît. Mais Lolo, la passion principale. Il ne connaît pas trop, mais il vient quand même avec ses équipes, là, avec des Japonais, des choses. Il a toutes les équipes, c'est son malin. Mais bon, il sait comme moi ici, il va trouver de la neige. C'est ce que j'ai dit à Udibi. Moi, on me dit, il y a de la neige. Viens voir. Mais t'es pas en tenue, non, mais non, je ne savais pas. Viens, pourquoi viens t'es voir. Pas en tenue. Non, mais en plus, on me dit, ils ont pris, viens comme on dit, dans le plateau, ils ont pris une pétée de neige. Bon, j'arrive ici, alors, j'ai dit à Dims, il n'y a pas du tout de neige. Il me dit, mais elle est là-haut. On n'a pas besoin ici d'aller. On a parlé. Le directeur de Skiab, justement, d'ici, justement. Alors, raconte-nous un petit peu ici. Ces deux-là, tu les connais bien. Ces deux-là, je les connais bien. Et du coup, je suis content, Marc. La neige est un peu fondue parce qu'il y en avait tellement qu'on n'aurait plus vu. On voit qu'il y a à l'envers et qu'il y a dans les postes partout. Ouais, alors, Yves Dimier, qui a fait podium en Coupe du Monde, grand slalomeur. Il faisait aussi du combiné. Yves Dimier, grand slalomeur. À l'époque de Tomba. Ton bâton était souvent là. Enfin, médaille d'argent. J'ai fait 3 podiums en Coupe du Monde. Mon premier podium avec Tomba et Gérard Denis. On a fait ouais, c'est pas mal, hein, pas mal quand même. On va faire court, Laurent Gérard, parce qu'on va le préciser. Tu as hâte d'aller au ski. On a quand même des gens de la yacht. On a quand même des gens de la yacht un peu. Et si tu enlèves ça, je crois que tu as Mujon, c'est ça? Ouais. Non, on y fait dans la yacht. Laurent, la pluie tombe toujours où c'est déjà mouillé. Laurent. Mais je l'ai pas celui-là. J'en ai un autre. Toujours en direct depuis Valsély, si vous nous rejoignez. Laurent va aller au ski, mais Laurent avant. On va rappeler, c'est le printemps à Valsély. Oui. 4 journées de folie. Hier soir, tu as vu Antoine Duléry, t'es bien renseigné apparemment là. Ce soir, c'est Alex Lizarac qui va parler votre cas. Pierre Richard demain, on termine avec lui chez lui. Et Yvan Cassard. Le pianiste de chez les plus grands. Chaque année, je dis, ben Dieu, c'est quand même ça prend du temps, mais on est toujours heureux d'être là. Alors, comment tu fais ça? Du ski le matin, l'apéritif, manger, le spectacle, tu vois? J'ai un clone comme Mélenchon. Non, mais sérieux, je suis très très heureux, c'est ce qui me motive. Ma fille a eu le piou-piou ce matin, je suis très très content. Elle a fait le générique d'RTL, on est sur une radio concurrente et néanmoins amie. Parce que vous, c'est la télé, je sais même, ça se filme tout avec des machins, on sait même plus. C'est tout petit, avant il y avait des caméras, c'était tout sur l'épaule. Comme dit Marc Vera, on va y faire péter par là à travers. Ça va rien mal, comme il dit. Ça va rien mal. Salut notre ami Marco.
Célestine qui a eu sa première médaille à 4 ans, elle marche sur les pas du papa. Bah, bien sûr. Non, mais il est fier, papa. Et surtout, je suis très, très heureux d'être ici. À chaque fois, je verse ma larme quand je vois plus la dent parachée. Et je revis quand je commence à la voir et quand je vois cette vallée chère à mon cœur. Et puis, on voit surtout tous tes copains. Ils sont extrêmement nombreux. Et puis, ils nous ont dit une chose, c'est que tu es carrément du pays maintenant. Tu es labellisé du pays. Je sais pas, on va demander à Yves parce que... On l'adore, Laurent. Mais tout le monde l'adore parce qu'en fait, il est simple. Et quand il est ici, il est effectivement comme chez lui. Et on a un vrai ami, il participe à la vie du village, à la vie de la station. Et puis il adore le ski, Laurent. D'ailleurs, je pense qu'il a hâte d'y aller au ski, non? Il a un peu mal au pied, je crois, dans ses chaussures serrées depuis 2 heures. Pas du tout. Il n'a pas de bon marché. Pas du tout, mais je m'en lasse pas. Et moi, j'aime l'hiver, j'aime le froid. Ici, on est servi. Et sérieux, j'aime le froid, j'aime l'hiver, j'aime la montagne. J'aime la mentalité d'ici, des gens d'ici. Ton arrière-grand-mère était d'ici. Mon grand-père est né au Frenet. Et voilà, je suis toujours très très ému quand je reviens. Je me sens, j'ai pas honte de me dire, je me sens chez moi. Je me sens bien ici. Et puis on va l'annoncer maintenant, fin mai, Laurent Gérard passe à table. On sait qu'il passe souvent à table, mais il se met à table. Oui. Tu vas commencer une tournée. Dans la yacht. D'abord Annecy, après on va revenir à Chambé, on va revenir un peu dans le coin par là à travers. Je répète, mais comme j'ai l'auditorium moi-même juste à côté. Je vais faire mes répétitions ici, je préfère répéter ici qu'à Paris. On gagne du temps, on est bien, et le soir on peut rentrer à la maison. Combien de temps la tournée? Elle se finit aussi à Paris, la tournée, on va le rappeler aussi. Ouais, on fait 6 semaines au Casino de Paris. Et puis après, on va repartir en tournée sur une tournée peut-être un peu plus des Zéniths. Et puis, on va essayer de faire 3 ans, un petit peu de se balader. Voilà, et quand Laurent Gérard se met à table, ce sera du 3 étoiles. Et c'est pas Marc Lira qui va bien prendre. Adieu, on va y bourrer pour la table. Regardez, 3 médaillés Coupe du Monde, 8 fois champion du monde. Vous les reconnaissez, les gens de Mazet, ils ont des poules roses, ils ont même pas la pneu. Ils ont en boîte de nuit. Maintenant, on skie ensemble. C'est vrai. Je suis venu spécialement. C'était la surprise de la place du village. Ah, c'est trop bien. C'est un ami fidèle. On l'a rapproché. Et puis, on va rappeler aussi que la place du village va démarrer bientôt sur Maurienne TV, la chaîne de la Je la regarde. Je suis tombé dessus, vingueux. Je suis tombé dessus. On cherche un parrain à Maurienne TV. Figurez-vous que le parrain, on ne sait pas qui va avoir comme parrain pour Maurienne TV. Dimier. Je pense que Laurent Gérard, c'est un bon pays. Maurienne TV, bien sûr, je regarde. Dans mon bureau, quand je suis à Paris, putain, je me fais chier, j'ai envie de voir un petit peu. J'ai envie de voir un petit peu les montagnes, je regarde Maurienne TV. Merci Laurent. Merci de t'avoir aidé. Nous, on va terminer le direct. On va reprendre dans un instant. C'est un polonais, non? C'est ce soir, Vitorek, qu'on n'a pas dit. Ce soir, il y a encore de la place. On rappelle, demain soir, Pierre Richard. Après-demain, ce sera Louis Chédid et Yvan Cassard. Que du gros, que des copains, comme dirait Laurent. Et vive les Belges! Merci beaucoup, on termine ce direct. Et puis on vous dit à très bientôt. On prendra le direct tout à l'heure. Depuis Valsony, la station ferme le 19 avril. C'est ça, la station ferme le 19 avril et les conditions sont excellentes et seront excellentes jusqu'au 19 avril. Et dans il n'est pas exclu que je revienne. Il n'est pas exclu qu'on aille au ski ensemble. Exactement, enfin. Peut-être enfin. Même demain avec Marc Garcia parce que je veux voir s'il est toujours aussi bon. Vous savez quoi? Parce qu'en plus, sincèrement, il m'a dit que j'écartais pas assez. Moi, on m'a appris ici. Allons, Sebourg, parce que je dis Lance-Penny, Val-Sebourg. À ski serré, radieux serré, et maintenant du. On s'est tourné. Allez, on prend le direct dans un instant. Merci, on laisse Laurent aller au ski. Merci beaucoup. Merci à vous, à très bientôt. Merci. Voilà pour ce reportage réalisé par Alain Molo du côté de la Savoie en compagnie de Laurent Gérard. Voilà une belle rencontre lors du festival Sel Printemps du côté de Valsigny qui s'est donc déroulé ce week-end. Merci d'être avec nous. Ce n'est tout juste de nous rejoindre sur Facebook et sur YouTube également. Donc des bons copains nous dit Alain Julien. Il a tout à fait compris. Alain Jocelyne Roussine qui nous dit c'est super.
Pierre, Monique également qui nous regarde depuis Versailles. Bonsoir Monique, bienvenue sur la place du village. Également la Patricia Lefebvre qui nous suit sur Facebook. Également très bon imitateur, nous dit Alain Julien. Et puis on a également Jean-Marie Vestrae, là où habite Gilbert Mutin, ami de Laurent Gérard. Ah voilà, on en sait encore un peu plus. Également on nous regarde depuis Lyon, de Saint-Fargeau, pour avec Laurent qui nous suit également. Naveur Harou qui nous regarde sur Facebook également. Et puis également on a Benoît Panier. Voilà pour les petits coucou. N'hésitez pas à commenter donc cette émission. Allez, on continue justement cette émission avec cette fois-ci un nouveau reportage ce soir dans le 19h. On va donc continuer avec le second reportage que je vous propose de retrouver. On va donc aller cette fois-ci dans un atelier ce soir. Et oui, attention, il n'y a pas n'importe laquelle. On va donc sortir un petit peu des pays de Savoie avec la passion pour le travail du métal avec Nono Lapalus. On a déjà découvert un reportage il y a quelques temps et voici un nouveau rencontré dans son atelier du côté de Matoury. Il explique justement encore justement son matériel qu'il a dans son garage. Vous allez voir, c'est vraiment époustouflant. Je vous propose de retrouver ce reportage réalisé par Jean-Noël de Paris. On va découvrir un atelier extraordinaire, c'est un laboratoire. C'est celui de Nano à mes côtés, il a la gentillesse de nous le faire découvrir. Nano qui a appris ça avec ton père surtout. Ouais, ouais, ouais. Eh, dis donc. Ouais, ouais. Regarde-moi ça. Tiens, on va montrer un peu l'atelier ici. En 60. Ouais. Papa qui était maire d'une commune voisine de Matoury, Saint-Léger-sous-la-Bussière, un forgeron comme on n'en fait plus. Ah ben non, il n'y en a plus. Il y en a, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. Non, non. Et puis, il faut dire que tu as appris sur le tas. Sur le tas. Encore une photo où on te voit à côté de ton papa. Tu te rappelles, tu avais 14 ans. Bah oui, que je tenais le pied du cheval. Bien J'avais sûr. 13 ans. Tu avais 13 ans même. Parce que les gars, ils amenaient ferrer le cheval. Et bien puis, sûr. Ils attendaient le tour. Puis mon père tenait le bistrot au buvet de canon. Et il y avait, on rappelle bien... Le Jean Lapalus, c'était lui qui tenait le bar, le restaurant, et puis la forge et tout. Ouais, alors ouais. Parle-nous un petit peu de ton endroit. Tu dis un laboratoire parce qu'il y a tellement de pièces. Moi, je suis fasciné, Nano, par ces rangements. Approche-toi un petit peu là. Moi, j'aime bien quand c'est rangé. Oui, alors, tu aimes bien quand c'est rangé, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais là, il y a des rivets pop. Il y a de la vis. Ouais. Il y a des tubes compacts pour mon poste, il y a des craies que mon père avait là, pour tracer les tôles. Puis c'est tout marqué dessus. Des boulons, des écrous. Et des pointes, des vis, etc. Des vis. Et puis les outils, là encore rangés au millimètre. Ça, c'est à mon père, ça. Et dis donc, tu te rends compte. Et puis, le gros marteau, c'est tout à mon père. Voilà. Alors, parce que là, on ne va pas tout montrer. On reverra Nano NC4 parce qu'on va faire dans cette émission une émission spéciale. Forge. Avec, on va voir, ça va être tout rouge. Pour l'instant, c'est pas rouge, mais j'aimerais juste que tu nous fasses entendre le son du marteau sur l'enclume. Bah tiens, écoute. Ah non, ça, t'as vu ça? Là, on travaille pas officiellement, non. Mais on refera ça, parce que ça, c'est ta passion. Ah bah oui. Oui, moi j'ai commencé là-dedans. Bien sûr. Attends. Et puis cet engin qui est l'enclume, là, l'enclume qui pèse combien? Ouais, celle-là, elle fait combien? 80 kilos. Ah bah oui. 90 kilos, mais l'autre, elle fait 200 kilos. Ah là, bah voilà. Elle voilà. Est chez mon beau-frère à Chenette, là. Voilà. Et il y a le moteur de la forge et tout. Et puis le marteau qui pèse lourd aussi. Ah oh ben le marteau, je sais pas combien il pèse. Mais t'as vu, rien que de taper, ça le fait... Non, toi, ça le fait rebondir. Ouais. Et puis on rappelle aussi, Nano, que derrière cette enclume, il y a une évolution d'un métier de forgeron. Mais ça n'existe plus. Exactement. Non. Et toi, tu continues à le faire? Ben de temps en temps, oui. Ah oui, mais puis j'aime bien. Mais il aime bien. Ah ben j'aime bien. J'aime bien. En fait, c'est pas ton métier, mais t'aimes bien ça. Bah oui, oui, oui. Non, mais mon premier métier, c'était maréchal ferrant. Exactement. Et ils ont mis une loi. Je suis sorti de chez le père Méline à Saint-Linger à... L'instituteur. 14 ans. Ouais. Le lendemain, mon père m'a emmené en 403 à Clermont chez un nommé Johnny de l'Homme, qui ferrait des chevaux. On ferrait beaucoup de chevaux. Voilà. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait effectivement les chevaux. Et ton père, bah, il ferrait les chevaux en particulier. Les chevaux, les vaches. Et les vaches également. Ouais. Ah, moi j'ai vu. Parce que les vaches, elles servaient effectivement à tirer les, ah oui, les chars. Ils mettaient des fers quand elles avaient du mal sous les pieds. T'sais. Bien sûr, bien sûr. On les curait les pieds avec une rainette. On faisait chauffer un petit bout de fer, puis on coupait le bout de viande qui dépassait dans la corde. Oh, la cerise. Ça brûlait la cerise. Elle sentait un peu fort d'ailleurs. Hein. Ah bah oui, oui. Bien sûr. Ouais.
Ça, c'est un autre monde. Alors, ça remonte à quand tout ça? Ton père, c'était dans les années 60-70, il a arrêté à peu près, c'est ça, non? Oh non, il arrête après. Après, bien sûr. Non, bon, je me rappelle. Le métier a changé. 60, dans les années... Ouais, c'est ça. Après-guerre, quoi. Voilà. Alors, regardez-moi ça ici. 47. Regardez-moi ça. Et tu vois un peu là-bas les outils, là-bas, ils sont... il n'en manque pas une. Hein. Ah si, il en manque un peu là-bas. Il manque pas de clé, dis donc. Oui. Ça, c'est incroyable. Il en manque un peu. On repassera évidemment ici. Et puis, il faut expliquer que le métier a changé, mais tu gardes, et tu tiens à ça, garder les gestes d'autrefois. Eh ben, les gestes, et puis la trempe et tout, quoi. Et puis, nous, l'ambiance qu'il y avait autour. C'est qu'il y avait du monde hein, qui attendait les choses. Et il faut pas oublier qu'à l'époque, dis-nous un peu avec ton père comment ça se passait. Il y avait du monde, il y avait le bistrot pas loin en plus. Les gars buvaient le canon, puis ils pouvaient plus tenir le pied. C'est moi le soir à entendre l'école qui tenait le pied. Ah, dis donc. Et ça, c'est formidable. Voilà. Et puis, il y avait des figures autour. Non, hein, mais pas mort. Hein. Eh bien, exactement. Non. Exactement. Non. Non, non. Et puis, il y avait une belle ambiance. Ah bah. Et puis, ton père a été maire combien de temps aussi? 35 ans. Ben voilà. Il voilà. était chef des pompiers, il a remonté ouais. la compagnie de pompiers en 46. Ouais. Il a été lieutenant, puis après quand il est passé maire, il n'avait plus le droit d'être pompier. Exactement. Voilà. Ouais, oui. Et voilà. Puis tu as été pompier aussi, c'est marqué ici, place des pompiers, Nano, qui a beaucoup donné de son temps aussi aux autres. Hein. 43 ans. Eh bien dis donc. Eh bien pour ça, ça mérite des médailles, hein. Ou des décorations. Ouais. Mais oui, mais non, c'est une passion, c'est tout. Bien sûr, bah oui. Bien sûr. Bah oui. Mais on verra cet atelier incroyable ici. Où on fera tourner la forge, on fera chauffer comme il faut tout ça. Encore un petit coup sur la... Allez, vas-y, encore tape avec un petit coup. Donne-moi ça. On fera ça. Voilà, alors ça, on rappelle que c'est une pioche. Hein. Une pioche. Une tête pique. De pioche. Une pioche pique. Pioche pique. Pour faire les tranchées, taper ouais, dans la rocaille. Toi qui l'as fait, ça hein. Non, j'ai juste ouais, fait la pointe. Là. Donc, on rappelle juste que pour l'enclume, il faut chauffer et taper pour donner la forme. Voilà. Voilà. Voilà, il faut bien remettre la forme comme il faut. Ouais. Parce qu'on ne monte pas piocher à genoux si t'en fais trop. Tu vois, s'il te plie trop comme ça. Ben bien sûr. Ben après, il faut que tu te mettes à quatre pattes pour. Il faut laisser un peu de. Juste la courbe qu'il faut. Bien sûr. C'est ça les savoir-faire et on peut le féliciter pour les garder ici. Nous sommes à Matour en Saône-et-Loire, un pays de ruralité où finalement il y a plus de bœufs, plus de vaches aujourd'hui à faire. C'est terminé. Fini. Par contre, les chevaux, ça revient un petit peu. Hein. Oui, mais les chevaux de plaisance. Les chevaux, sont les chevaux de travail. Ouais. On est bien d'accord. Il y en a, ils débarquent du bois encore avec des. Oui, ça revient dans les vignes aussi. J'ai vu l'Euroforêt dans les vignes. Exactement. Ouais. L'Euroforêt, le grand rassemblement des forestiers. Et puis, bien sûr, ici, ça, c'est un engin pour. Ça, c'est un semi-automatique, un poste semi-automatique. Voilà. C'est un poste à souder. Voilà. Avec tous les équipements. Il y a encore un là-bas qui est manuel, c'est bien ça. Ça, c'est le poste soudure à l'arc, ça. Ouais. Ouais. Nano, quand on repense à ce temps-là. Ah, oui. Quand tu avais 13 ans, ouais. Tu étais avec ton père, qu'il fallait faire venir le travail avec les vaches, avec les gars qui étaient là. C'est des bons souvenirs. Il y avait des. Tout le monde se rendait service, mais maintenant tout le monde tire la couverture. Exactement. Sur côté, démerdez-vous. Exactement. Voilà. Non, on a perdu ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on est heureux de te voir. On te reverra d'ailleurs pour en parler plus longuement et pour faire justement avec la forge et puis quand ça va être rouge. Mais Dieu sait si c'était le bon temps quand même. Et puis, il y avait plus de liberté aussi. On pouvait faire un peu, voilà. Ah, voilà. Ouais. Et on faisait confiance aux gens. Ben, voilà. T'avais pas des trucs comme tu vois maintenant. Bien sûr. Non, puis ton père était maire, il connaissait bien la commune. Ah ben, et puis, il avait des amis, hein. Premier officier de police de la commune. Exactement, pas l'oublier. Ouais. Faut pas l'oublier. Non, ouais. Oh, ben, des copains, il en avait. Ton père, en pratiquant. Ah, on sait bien, ils étaient très proches. Et c'est vrai que... Ben, écoutez, merci d'avoir... ouvert la porte du laboratoire ici, parce qu'il se passe pas mal de choses. Il y a les tréteaux ici, puis il y a plein de trucs, on verra tout ça. On donne rendez-vous. Oui. Rendez-vous dans l'été, avant l'été, on sait pas trop. Oui, voilà. Je te rappelle. Bien sûr. Tu peux taper un petit coup dessus, parce que j'aime bien ce son, moi. Voilà. Tiens. Tu peux dire que ça l'a fait rebondir, le marteau. Eh oui. Tiens. Et il rebondit pour une bonne raison. Bah. Attends, quand on tapait tout un matin comme ça, il suit les fers à chaud, des fois on tapait à deux. Ah oui. Le patron tenait le machin. Voilà de belles images justement et oui avec ces savoir-faire, ces métiers qui ont quand même bien disparu malheureusement. Voilà, on vous fait revivre justement ces beaux métiers dans la place du village. Voilà, donc merci beaucoup à Jean-Noël de Paris donc pour ce reportage. Allez, tout de suite on passe à l'information locale dans nos pays de Savoie, c'est tout de suite.
Allez, reste avec nous, justement, quelques informations locales dans les pays de Savoie durant ces dernières heures, dans les pays de Savoie, notamment durant ces derniers jours. On va donc justement parler du département de la Haute-Savoie, justement, avec une information route pour cette journée, notamment la RD 328 qui est complètement fermée. Vous pouvez voir sur ce tableau, est fermée donc dans les deux sens de circulation suite à un éboulement donc de la chaussée. C'est donc un message du département de la Haute-Savoie. Donc le village est accessible depuis Morzine. Une expertise est prévue, ce matin. On attend toujours les résultats du côté de SR Roman, hein, donc dans le département de la Haute-Savoie, donc pour ces problèmes de route. Vous pouvez voir donc sur ces images. On continue avec cette fois-ci du côté de Morzine, avec voici quelques images de l'incendie de Morzine de cette nuit. Un incendie assez important a eu lieu justement du côté de Morzine. Donc cette nuit, c'est nos confrères du Dauphiné à Libéré qui ont également publié cette photo. On peut voir également donc sur cette photo, donc un incendie d'ampleur donc qui s'est déclaré la nuit dernière aux alentours de 1h du matin. Donc, et ce matin à 10h15, il n'est toujours pas donc circonscrit. Il y a encore donc pas mal donc d'enquêtes également suite à cet incendie vont être faites donc par les services donc sur place. On continue avec cette fois-ci le Dauphiné de la Haute-Savoie. Annecy, un colis suspect. Et oui, dans une rue, 4 immeubles évacués hier du côté de Seynaud en Haute-Savoie. Gros dispositif pompier et gendarmerie qui a bouclé carrément le secteur vers le centre des impôts. C'était donc hier dimanche. Il y a également eu évacuation de la population des immeubles qui encouraient, qui entourent justement ces rues donc du côté de Seynaud. On continue avec cette fois-ci toujours la Haute-Savoie, avec regardez cette belle photo de nos confrères du Dauphiné de Haute-Savoie, un castor en ville du côté d'Annecy. Et oui, c'était extrêmement rare, justement un article que vous pouvez donc retrouver dans le Dauphiné Libéré, sur internet et en papier également. On parle de Ski Freeride World Tour, justement la skieuse de la Cluse Astrid Chelu est vice-championne du monde de freeride, justement, et ça c'est une bonne nouvelle. Elle dit justement: je ne pouvais pas rêver mieux à 20 ans, et donc à émerveiller son monde. Voilà, bravo à elle, donc à Astrid, pour cette belle victoire. Donc un article à retrouver dans le Dauphiné Libéré. Les 100 Savoyards qui s'intéressent à une opération de nettoyage et de maintenance du tunnel des Monts qui va être réalisé donc du 25 au 29 mars et du 22 au 26 avril. Des changements justement d'itinéraire, donc soyez quand même prudents, sont donc à prévoir durant ces deux périodes. Donc des travaux de maintenance dans le tunnel des Monts du côté de Chambéry en Savoie. On continue avec cette fois-ci le messager du côté du Faucigny, justement. Des ouvriers du chantier donc à proximité du lac des Ilettes ont installé la passerelle. Regardez cette passerelle assez surprenante reliant les deux berges de l'Arve. Elle n'est donc pas encore ouverte justement au public, mais sa mise en place donc était spectaculaire. Donc un gros travail qui a été fait du côté de Salanches avec cette passerelle. On continue avec cette fois-ci la deuxième partie des travaux de sécurisation et de l'élargissement de la chaussée sur la RD12 dans les gorges des Évaux. Donc se déroule du 2 avril au 17 mai prochain. Cette portion de route donc située entre Saint-Pierre en Faucigné et Glières-Val-de-Borne sera donc fermée à la circulation. Une déviation locale donc sera mise en place. Voilà donc pour cet article à retrouver dans le messager pour l'édition du Faucigny. Et puis enfin, on termine justement, regardez, ah là là, la première édition justement de Vaches en piste qui a cartonné en 2023, souvenez-vous, l'an passé, on était sur place. Eh ben, cette belle fête sera du retour du côté de la Roche-sur-Foron. Ça sera en 2025. C'est quand même une belle nouvelle. Voilà, donc on vous en reparlera de ce beau événement dans notre région. Voilà pour les informations locales dans les pays de Savoie. Allez, merci d'être avec nous, toujours dans les conditions du direct sur nos réseaux sociaux de la place du village. On va tout de suite retrouver notre rubrique sur un air d'accordéon.
Allez, sur un air d'accordéon, j'ai pris l'habitude justement qu'on vous propose des beaux morceaux d'accordéon dans nos pays de Savoie et même du côté de l'Occitanie, grâce à notre Lily Rose qui a eu la chance justement de filmer ça. C'était donc durant ce week-end, au son de l'accordéon, une série de marches interprétées par Gilles Subi et Laurent Pépin, qu'on va donc retrouver justement du côté de la Lozère à Fournelles. Vous allez voir un bon moment de musique que je vous propose de retrouver avec les images de Lily Rose dans ce reportage.
Voilà pour ce reportage et beau moment de musique sur un air d'accordéon aujourd'hui. Merci beaucoup à Lily Rose pour cet instant musical. Merci également aussi à vous de nous suivre en direct en ce lundi 25 mars. Allez, tout de suite justement, on va regarder notre dernier reportage que je vous propose de retrouver ce soir. On va donc retrouver notre nouveau correspondant Alain Garcia qui est surtout spécialisé dans le sport. Et justement, on le retrouvera très prochainement dans 19h. Avec les souvenirs des Jeux Olympiques de Chamonix 1924, justement, Marc Garcia a rencontré Martine Chadu, dont le grand-père Martial Paillot a donc concouru dans le combiné nordique lors des premiers Jeux Olympiques d'hiver du côté de Chamonix. C'était en 1924, comme une belle rencontre, vous allez voir, que je vous propose de retrouver dans ce reportage réalisé par Marc Garcia. Allez, on se retrouve là sur la place, évidemment avec Martine, dont le grand-père était Martial Paillot, voilà. Qui était évidemment français, qui représentait aux premiers Jeux Olympiques ici à Chamonix en combiné nordique, ce qui était le ski de fond et le soie-ski. Donc il a fait 24, mais après il a aussi fait 28, Martine. Exactement. Donc il a fait un premier passage, il a abandonné. Parce que je ne sais pas pourquoi, il a abandonné, peut-être une chute. Et au deuxième passage, ben, il a réussi. Bon, il ne s'est pas qualifié, bien sûr, dans les premiers, parce qu'il n'avait que 35 mètres, alors que les Norvégiens en faisaient 60. Mais ils avaient déjà d'autres tenues, d'autres vêtements. Voilà, donc je suis venue honorer mon grand-père aujourd'hui à Chamonix pour fêter les 100 ans des Jeux Olympiques 1924. Magnifique souvenir, évidemment. Donc j'imagine que toi, on se tutoie quand même. Oui, on se tutoie, toi, on peut. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, la mémoire de ton grand-père? Alors, Ma maman, qui était ici avec ma marraine, sa sœur, qui étaient les filles de mon grand-père Martial Paillot, et qui ont beaucoup longtemps habité à Chamonix, qui ont tenu le restaurant La Boule de Neige. Et mon grand-père, il était au bois, il était agriculteur comme tous les Chamoniards et il était guide de haute montagne. Et après, il a fait chasseur alpin et il est décédé en 49. Donc j'ai toujours, depuis petite, entendu maman et ma marraine parler de mon grand-père et de ses exploits. Donc je suis venue honorer mon grand-père ce soir. Magnifique mémoire. Donc ces années-là, c'était évidemment Émile Allais. En ski alpin, c'était Jean Couté qui était ici aussi, oui, un Chamoniard. Et évidemment, c'était encore des gens qui étaient agriculteurs, qui étaient guides de haute montagne, voilà. Et qui étaient champions et qui représentaient la vallée. C'est ça, complètement. Il habitait au bois et voilà, il était agriculteur et guide de haute montagne, comme son frère et comme son père. Alors, est-ce qu'il reste des photos? Oui, j'en ai, bien sûr, à la maison. Oui, j'ai plein de photos à la maison. Voilà. C'est bien, c'est super. Et quand tu revois ces vieux films, ce film de l'époque. J'arrive jamais à le visualiser lui parce que ça passe tellement vite et je sais pas quel dossard il avait. Donc je suis un petit peu en manque de ça. Mais j'ai une photo ou deux sur mon téléphone que j'ai retrouvée dans les documents, sur Internet et via Google et tout ça. Donc à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, pour toi ça représente quelque chose? Ah oui. Et ma maman, elle était vraiment. Ça aurait été son rêve. D'être là aujourd'hui ou de participer à une cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques. Donc je suis déjà prévue à Paris en juillet, là, le 26, en 2024, justement pour aller à l'inauguration des Jeux Olympiques 2024. Bravo, exceptionnel, fabuleux, il n'y a rien à rajouter là-dessus. Que de l'émotion. De l'émotion, c'est ça. Merci beaucoup, merci. Voilà, Marc Garcia, oui, intervieweur également, qu'on retrouvera encore pour des reportages avec l'ensemble de l'équipe de la Place du Village. Voilà donc pour ce reportage, on parlait justement des JO, hein. Et oui, les JO, justement, en France, arrivent à grands pas. Merci d'être avec nous, 19h40, on va parler tout de suite du ciel, justement, avec vos prévisions de la météo pour demain, mardi 26 mars, dans les Pays de Savoie.
Allez, regardons ensemble justement vos prévisions de la météo pour la journée de demain, mardi 26 mars 2024. Alors, le temps, vous avez pu voir hein, quand même, constater qu'il se refroidit. C'est pas mal refroidi durant ces derniers jours. Justement, demain, ça devrait un petit peu remonter. Alors, on va justement regarder ensemble vos prévisions donc de la météo. On va regarder les cartes. On commence par la Haute-Savoie. Regardez demain matin, ça sera entre nuages et soleil au lever du jour avec des températures quand même qui iront jusqu'à 16 degrés du côté d'Annecy, Chamonix, Mont-Blanc, et ben ça sera plutôt du 11 degrés parmi les maximales, c'est quand même assez doux. Et puis 15 degrés, ça sera du côté de Thonon-les-Bains avec un temps qui sera un petit peu mitigé entre quelques voiles donc au niveau du soleil. On continue avec la météo pour demain mardi. On reste bien entendu en Haute-Savoie. On regarde avec cette fois-ci du côté de Rumilly. Regardez, ben ça sera des températures qui iront jusqu'à 16 degrés quand même demain après-midi entre nuages et soleil, jusqu'à 15 degrés du côté d'Annemasse, vous aurez 14 degrés du côté de Samoin et 11 degrés quand même du côté de Megève, donc des températures quand même en légère hausse par rapport à ces derniers jours, hein, après un week-end plutôt assez frais sur l'ensemble des pays de Savoie. On continue nos prévisions de la météo, on parcourt toujours la Haute-Savoie avec cette fois-ci du côté de la Clusaz, ça sera entre nuages et soleil jusqu'à 10 degrés parmi les maximales demain après-midi, jusqu'à 10 degrés également au Grand Bornand dans les Aravis. Et puis Bonneville, ça sera jusqu'à quand même 15 degrés, ce sera très calme hein, donc au niveau du ciel. Et c'est tant mieux, vous allez me dire. Hein. Donc c'est plutôt un temps plutôt très très bien pour ce printemps. On continue à traverser la Haute-Savoie. On va regarder les cartes cette fois-ci de Cluse. Justement, on va donc se rendre du côté de Cluse en Haute-Savoie. Voilà qu'elles arrivent avec entre nuages et soleil pour demain avec des températures qui iront jusqu'à 15 degrés du côté de Cluse. 15 degrés à Seyssel et 14 degrés quand même du côté de Boège. Donc des températures plutôt de saison. Hein. Bon, elles sont quand même pas non plus très hautes, mais elles restent quand même de saison donc pour la journée de demain. On passe quand même au département de la Savoie. On va donc commencer par Aix-les-Bains en Savoie. Et ben, le temps sera pareil entre nuages et soleil sur l'ensemble de la Savoie. Regardez demain avec température jusqu'à 17 degrés quand même du côté d'Aix-les-Bains. Il fera 16 degrés du côté de Chambéry et même jusqu'à 16 degrés du côté de Saint-Pierre d'Albigny et 16 degrés à Albert. Avec un temps plutôt assez ensoleillé, il faut en profiter bien entendu. Allez, on parcourt toujours la Savoie, on va donc se rendre du côté de Saint-Jean-de-Maurienne, dans la Maurienne, avec température jusqu'à 15 degrés demain entre nuages et soleil. Il fera jusqu'à 16 degrés du côté de Moutier. Par contre, il va falloir se couvrir en montagne entre moins 5 et 2 degrés l'après-midi, avec entre nuages et soleil, il y a peut-être quelques averses de neige le matin et Pragnon-la-Vanoise jusqu'à 6 degrés parmi les maximales pour la journée de demain entre nuages et soleil et peut-être quelques risques quand même de flocons de neige, surtout le matin, donc du côté de Pralenan-la-Vanoise. On continue avec du côté de Modane. Et ben, par contre, il va falloir sortir son parapluie à Modane. Bah oui, il y aura malheureusement une perturbation au-dessus de Modane. Les températures iront jusqu'à 8 degrés, 16 degrés du côté du Gin, justement entre nuages et soleil. Vous voyez quand les températures sont très contrastes hein, quand même. Hein. Et pour Saint-Maurice, jusqu'à 12 degrés. Voilà donc un temps quand même très très agité pour donc demain. Demain, justement, sera le mardi 26 mars. On fêtera les bonnes fêtes à tous les Larissa ainsi que les Lara. Le soleil, quant à lui, se lèvera à 6h40 pour se coucher à 19h13 et on gagne 4 minutes de soleil. Hein, et oui, les jours se rallongent. Et justement, le dicton pour demain, quand en mars il tonne, l'année sera bonne. Voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On verra s'il tonne au mois de mars. Voilà pour ces prévisions de la météo dans les pays de Savoie, des prévisions de la météo. Vous pouvez donc le revoir en replay sur l'ensemble des réseaux de la place du village. Voilà, belle soirée.
Voilà pour ces prévisions de la météo. Bah oui, c'est déjà la fin de cette émission du 19h. Que le temps passe vite. Il est 19h45 en ce lundi 25 mars. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur nos réseaux, notamment sur Facebook. Vous pouvez également aussi suivre l'émission sur Instagram. Vous avez plus de 23 300 abonnés et à consulter nos stories. Hein. Vous êtes très nombreux à nous identifier dans vos stories. Également, n'oubliez pas le YouTube de la place du village. Vous avez plus de 43 100 abonnés. Le TikTok, TokTuk, on peut dire, vous êtes plus de 88 200 abonnés. Voilà, on a franchi les 88 000 donc, durant ce week-end. La place du village également en radio, en FM, en DAB+. Alors, DAB+, c'est la radio numérique pour pouvoir suivre la place du village partout. Là, où vous êtes justement tous les matins. Vous pouvez donc retrouver Jean-Noël ou Philippe à la radio. Ça, c'est une bonne nouvelle à 6h15 ou à 8h24 et du lundi au dimanche de 11h à midi pour les meilleurs moments de la place du village. Également, la place du village est aussi sur Maurienne TV. Et oui, une très belle chaîne de télévision que je vous conseille d'aller voir justement sur les box Bouygues Orange, SFR et Free. N'hésitez pas donc d'aller faire un petit coup d'œil sur cette belle chaîne de télévision. Et très bientôt, la place du village sera justement sur cette chaîne de télévision. On vous en reparlera. N'oubliez pas également notre magazine Histoire de Savoie avec l'équipe de Patrick Alain Bertoni, La Savoie d'hier à aujourd'hui, un vraiment un très beau magazine qui se garde à vie, qui est publié tous les 3 mois. Vous pouvez donc vous abonner ou l'acheter également chez vos marchands de journaux à travers les pays de Savoie. Voilà, vous savez tout pour pouvoir nous suivre un petit peu partout en radio, en télévision, en digital et également aussi en papier. Voilà donc pour la place du village. Merci à toute l'équipe de la place du village pour la préparation de cette émission. Merci également à vous de nous avoir suivis en cette journée de ce lundi 25 mars. Et ben, on va se retrouver dès demain à partir de 19h pour de nouvelles aventures avec encore de beaux reportages, des rencontres, de la météo. Tout ça, c'est pendant 45 minutes du lundi au vendredi en direct ou en replay sur la place du village. Merci de votre fidélité et on se retrouve dès demain. Belle soirée à vous tous. Arrivé pas.